Good morgen, allez, Iden, les tutos aujourd'hui, le Nishmat, Rosel Ben Sultana, Moshe Ben Sultana, Amram Yona Ben Chana Pegi Bet Esther, Nissim Ben Arouda et Sarah Bat Chana Rachel. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah. Avec 5 minutes éternelles, nous étudions aujourd'hui, Masachat Avodah Zara, Pegi Dalet Mishnah, Yud Bet. Ametaher Yeno Shel Nochri, Venotno Birshuto. Vehala Kotevlo, Hitkabalti, Mimcha Ma'ot, Mutar. אבל אם יוצא ישראל להוציאו ואינו מניחו עד שייתן לו את מעותיו, זה היה מעשה בבית שען ואסרו חכמים. On continue le sujet depuis la Mishnah Yud, Yud Aleph et Yud Bet, en apportant à présent le troisième élément. Ametaher yeno shel nochri, celui qui fait du vin chez un goy, il veut faire du vin kasher chez un goy. Littéralement, c'est celui qui purifie le vin d'un goy, c'est-à-dire qu'il fait et va chez le goy, dans le scellé du goy, pour fabriquer, il loue l'endroit par exemple, il fabrique tout, il nettoie tout, il fabrique tout de manière cachère, et donc en veillant, ce qui n'est pas un seul goy qui va toucher ce vin, pour le rendre bien nécessaire, venotno birshuto, et il le laisse chez lui, chez le goy, il l'entrepose là-bas pendant quelques jours, le temps qu'il vienne le chercher. Vehala kotevlo itkabalti mimcha ma'ot. Et le goy lui écrit Hala, c'est-à-dire, et l'autre, celui-là, il lui écrit Itkabalti mimcha ma'ot. J'ai reçu de toi l'argent. Littéralement. C'est-à-dire, je considère que j'ai déjà reçu l'argent de la location de l'endroit. Moutard, c'est permis. Pour le moment, c'est flou. On traduit parce qu'en fait, c'est une phrase et son contraire. Donc, lorsqu'on va continuer sur le Géna Mishnah, on va mieux comprendre ce qu'elle voulait dire cette phrase un petit peu bizarre. Aval imirtze les Israël le Otsio. Par contre, si le juif voudrait venir le sortir, le récupérer son vin, veno manicho, et le goy ne le laisse pas sortir, achi tenlo et marotav, jusqu'à ce que le juif paye l'argent de la location de l'endroit, zeaya maase bebet she'an, tel est le cas qui s'était présenté à Bet She'an, qui était une ville d'Israël, ve asru chachamim. Et Chachamim ont dit que le vin sera interdit à cause de Yain Neser. Et on explique un petit peu mieux, on a déjà introduit la notion déjà depuis la Mishnah précédente, ça considère enfin la Mishnah Yud, ça se passe comme ça. Il y a, tout d'abord, lorsque on trouve un goy à côté de mon vin, alors, si le goy, puisque le goy craint qu'on le soupçonne d'être venu voler, il ne va pas se permettre de le prendre et de le sanctifier. Lorsque le goy est entreposé dans un endroit qui est spécifique à moi et que le goy n'a pas le droit en théorie de rentrer ici. D'accord? Donc s'il est entré, c'est qu'apparemment il est déjà en problème, peut-être qu'il est venu pour voler, mais en tout cas il ne va pas se permettre de traîner plus pour aller sacrer le vin en l'honneur de son idole. Ça c'était la première notion. Avec, on apprenait dans la Mishnah précédente maintenant une exception très importante, comme dans la Mishnah Yud d'ailleurs, c'est lorsque je dois de l'argent au goy. Si je dois de l'argent au goy, il s'estime. Il se considère plus familier. Et on apprenait dans la Mishnah précédente que si je lui dois uniquement de l'argent, pas comme ça va être le cas de la Seifa de la Mishnah, juste je lui dois de l'argent mais qui n'est pas forcément lié à ce vin qui a été posé, mis en gage pour la dette, alors dans ce cas-là, le goy peut se permettre de le toucher, mais si toutefois il y a une porte ouverte sur la voie publique et qu'il y a des juifs qui habitent dans la ville, alors, le goy ne va pas se permettre d'aller le toucher de peur qu'il y ait un juif qui va le voir et qu'on va le soupçonner d'être venu rendu interdit le vin ou de l'avoir volé. Maintenant, la Mishnah vient et nous apprend une notion très importante. Si toutefois, le goy a un droit de saisie sur le vin, c'est-à-dire, je lui dois de l'argent pour la location de l'endroit, mais il ne va pas me laisser récupérer ce vin et partir le commercialiser, le vendre ou l'utiliser, tant que je ne lui ai pas apporté l'argent. Donc il le garde en gage chez lui. Puisqu'il le garde en gage chez lui, alors là, il se sent maître à bord et il ne va pas hésiter, même s'il y a une porte ouverte sur le Rishut HaRabi, mais qu'il y a plein de juifs qui habitent dans le coin, il ne va pas hésiter à partir prendre le vin et le sacrer en l'honneur de la Avodah Zara, parce que de toute façon, si on l'attrape, il va dire « Qu'est-ce que vous me voulez ? Il est chez moi, je le garde en gage, il m'appartient déjà ce vin. » Donc, puisque se sent tellement familier, alors le vin deviendra, et on soupçonnera, qu'il a très probablement rendu Yaïd Nesser. D'accord? Donc en fait, ça nous fait trois halakhot. Si je veux maintenant récapituler
de manière concise, quoi, les Mishnah Yud, les Aleph, les Bet, ça sort comme ça. Il y a le goy à qui on lui doit rien du tout. Il n'a pas le droit de rentrer chez moi. S'il est entré chez moi, on ne va pas soupçonner qu'il est parti toucher le vin qui était resté ouvert. Ça, c'est lorsque je lui dois rien. Si toutefois je lui dois de l'argent, il y a deux cas de figure. C'est les deux cas de la Mishnah. La première partie de la Mishnah, c'est le cas où il m'a dit, donc c'est ce que la Mishnah nous enseigne, moi, je te laisse reprendre ton vin par rapport au gage, je te laisse reprendre le vin et partir venir me payer ensuite. Mitsidi, de mon côté, c'est comme si tu avais déjà reçu l'argent. C'est ça ce que ça veut dire qu'il lui écrit. Itkabalti mimchamot. Comme si j'avais reçu l'argent de toi. C'est pas, tu me dois effectivement de l'argent, mais malgré tout, je ne le garde pas en gage. Alors dans ce cas-là, on ne va pas soupçonner qu'il ait rendu un essai à condition qu'il y ait une porte ouverte sur la voie publique et qu'il y ait des juifs dans le quartier. Donc c'est la Mishnah précédente. Et maintenant, comme selon les conditions qu'on a prises dans la Mishnah précédente, et maintenant, le dernier cas de la Mishnah, c'est que s'il le garde en gage, alors puisqu'il se sent maître à bord, il fait vraiment ce qu'il veut avec, et dans ce cas-là, il risque de partir sacrer le vin en l'honneur de Sabo d'Azara, et dans ce cas-là, il sera défendu à cause de Yahin Nesser. D'accord ? Maintenant, précision importante aussi, le Tiferet Israël fait rentrer la notion à cet endroit-là, alors c'est déjà on a qu'à l'évoquer, lui interprète la Mishnah un petit peu différemment, mais il faut savoir que lorsqu'on laisse du vin chez un goy, alors il y a un moyen simple pour éviter qu'il le rende assourd, c'est de lui mettre deux fermetures, ce qu'on appelle chotam betor chotam, c'est de le fermer doublement. Par exemple, si c'était une gourde avec une ficelle, alors c'est faire un premier nœud, replier et faire ensuite un deuxième nœud, chotam betor chotam. C'est d'ailleurs comme dans les vins qu'on vend dans le commerce, lorsque le vin n'est pas cuit, il y a le bouchon, et en plus de ça, il y a ensuite le petit plaque en plastique, avant c'était en aluminium dur, comme ça, qui vient, qui ferme, et qui atteste que le vin, donc il est fermé doublement. Chotam et chotam, dans ce cas-là, le goy, on ne le soupçonne pas qu'il a pu le faire, qu'il a pu le sacrer pour la Avodah Zara. Et selon Tiferet Israël, on va pas étudier toute la Mishnah de la sorte, mais en tout cas, selon Tiferet Israël, il explique comme ça toute la Mishnah en disant que lorsque le goy se sent trop familier, eh ben, on craint qu'il va être mézaïef, qu'il va falsifier la fermeture, qu'il va se permettre de l'ouvrir après le refermer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.